Alors, chers amis de la Flandre, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer une réalité qui nous est chère, celle des moulins. Oh, vous ne ferez pas de grandes découvertes sur les moulins tels qu'on va vous les présenter, mais on va vous faire rêver un petit peu quand même. Alors, pour vous faire rêver, remontons dans le temps. Prenons le plus ancien des moulins. Le plus ancien, il existe aujourd'hui à Onscott, au nord. C'est donc le Nordmolen de Onscott. Hein. On l'appelle aussi le moulin Vercruz, du nom de la famille qui l'a longtemps exploité. Depuis ce moulin, d'ailleurs, on regarde vers la ville d'Onscott. On a une très belle vue sur les bâtiments historiques d'Onscott, l'hôtel de ville, l'église, etc. C'est très beau. C'est un moulin flamand en pleine campagne, dans un site magnifique. Alors ce moulin date vraisemblablement du Moyen-Âge, parce que on a trouvé une date du Moyen-Âge hein, sur une de ses poutres. Donc on suppose que la date gravée sur la poutre, c'est l'usage en Flandre, montre l'origine du moulin. Bien. Alors ce petit moulin est tout à fait sympathique quand vous vous réfugiez sous ses ailes. Vous avez l'impression d'être, je dirais, d'entrer dans une maison flamande. D'autant que les gens qui veillent sur ce moulin sont très sympathiques et des fois sortent de chez eux pour vous raconter des histoires. Des histoires de moulins, bien sûr. Alors, les moulins chez nous, à l'exemple de ce musée, de ce moulin qui est presque un moulin musée, c'est ce qu'on appelle les standard molen, hein, les moulins standards, ils sont en bois, hein, avec une bonne base qui lui donne son nom, standard molen, moulin standard, mais il y en a aussi en briques. Et le mieux conservé, on va dire, des moulins à briques dans la région, c'est le Steenmolen. Le Steenmolen, il est sur le territoire de Terre de Gem, en sortant de Steenvoorde, quand vous prenez la route qui va de Steenvoorde à Eck. Vous savez, Eck, où il y a le fameux Clocus, hein, très connu. Eh bien, ce moulin est extrêmement bien conservé. Parce que il n'est pas trop vieux. Bon, bah, celui-là est du 19e siècle, il faut lui pardonner sa jeunesse. Hein. Mais encore, de temps à autre, on le fait tourner. Il est encore en bon état. Alors, moulin de briques, pourquoi une différence entre moulin de briques et moulin de bois? En général, le moulin de bois, c'est celui qui broie du grain. Parfois aussi des huiles végétales. Il fait des huiles végétales à partir de cultures, comme le colza, par exemple. Et le moulin en brique, lui, fait aussi beaucoup de broyage d'huiles végétales qui servent aux teintures des draps, hein, des textiles. Mais surtout, pendant longtemps, c'était le type préféré de moulin dans les régions humides, pour assécher les régions humides, pour drainer, hein, faire en sorte que la terre finisse par immerger par rapport à la mer. C'est pourquoi il y a beaucoup de moulins du type que l'on voit à Terre de Gem, de moulins en briques. Il y en a beaucoup qui sont sur la côte, hein, dans la région des Mours. Oui, vous dites parfois les Mouers, enfin moi je dis les Mours. Hein, voilà. Donc ces deux moulins-là sont tout à fait, je dirais, représentatifs et typiques des deux types de moulins les plus répandus par chez nous. Alors un petit détail, j'ai dit par chez nous. Oui, mais par chez nous, ça veut dire quoi? Par chez nous, c'est la Flandre, toute la Flandre. Or, il faut bien comprendre que, notamment pour les moulins du Moyen-Âge, la Flandre, c'est international par rapport aux frontières actuelles. Hein. La frontière, la Schrève, n'existait pas encore. Hein. Et au Moyen-Âge, certains de nos moulins appartenaient à des puissances qui étaient beaucoup plus au nord. Exemple, le moulin de Houtkerk. Le moulin de Houtkerk dépendait en fait de la prévôté de Saint-Donat à Bruges. Vous vous rendez compte, hein. Remarquez, à Bailleul, il y avait aussi le territoire de la prévôté de Saint-Donat, hein, de Bruges. Mais enfin, c'est vous dire que nos moulins étaient tellement importants qu'on venait d'assez haut, hein, plus au nord de la Flandre du Nord, vers la Flandre du Sud, pour prendre possession d'un moulin, le faire fonctionner. C'est vous dire si, en principe, un moulin, c'était important, et ça asseyait l'autorité, hein, d'une entité politique sur toute une région. Vous aviez un moulin, vous étiez le seigneur.
Hein. C'était d'ailleurs une seigneurie, c'est la seigneurie de Loflande, hein, au sein de laquelle se trouvait le moulin de Houtkerque. Donc le Meunier, personnage considérable, est-ce que c'est toujours vrai? Meunier, bon personnage considérable dans la mesure où il travaille beaucoup. Et ça, c'est l'exemple que nous donne le Drivmolen. Hein. Le Drivmolen qui est à la sortie de Steenvoorde, qui était un moulin qui était transporté en 1901 depuis Somain jusqu'à Steenvoorde. Et pour concurrencer le Nordmolen, eh bien le Meunier a beaucoup travaillé, encore plus que son concurrent, puisqu'il faisait lui-même le tour. Il faisait lui-même le tour dans les fermes environnantes pour aller chercher le blé, hein, et puis pour ramener les sacs tels qu'il les avait broyés en farine. Hein. Donc, meilleur rapport qualité-prix. Alors, Drivmolen, pourquoi? Parce que driven, c'est conduire. Hein. Donc, il conduisait lui-même sa charrette, il allait chercher les sacs de blé et il ramenait les sacs de farine. Voilà. Hein. Donc, riche peut-être, mais à condition de beaucoup travailler. Ça n'a pas empêché, en plus, je dirais, les moulins de péricliter, quand on a inventé les minoteries, hein, enfin bref, tout le traitement industriel du blé. Alors, on a un moulin qui était magnifique, le moulin Robitaille à Hazebrouck, qui a été démoli en 1913. Ce moulin était très beau, avec une très belle inscription en flamand. Hein. C'était le moulin du Schack. Hein. Et puis, autre moulin qui était très beau, et je sais de quoi je parle, parce que c'est familial, c'est le moulin qui était au Petit Aswind. Au Petit Aswind, vous voyez tout où ça se trouve, le Petit Aswind, hein, c'est du côté de Saint-Sylvestre-Capelle, c'était le moulin Vanneville. Et le moulin Vanneville, il fonctionnait plus ou moins bien, et puis un jour, grande tempête en Flandre, il faut dire que les tempêtes chez nous, il y en a quelques-unes, hein, et la grande tempête en Flandre, dans les années 50, a détruit le moulin Vanneville, voilà. Alors, les moulins, pour ne pas être, je dirais, trop vite délaissés, il y a une association qui a été constituée dans les années 30 par Abel Descott, qui était le meunier du moulin de Voormout. Et il a fondé l'association en mairie de Bergues. Et c'était très bien, l'association des moulins et meuniers de Flandre, on a fondé en 1932. Il a subsisté tant bien que mal. Aujourd'hui, il est un successeur d'un dynamisme extraordinaire depuis les années 60. Tout le monde le connaît, c'est Jean Brugemann, le fondateur de l'association régionale des Amis des Moulins. Hein, voilà, chers amis, alors tout ce que je peux vous dire en plus sur les moulins, allez-y, allez les voir, regardez, il y a parfois des inscriptions, et vous verrez que ce que je vous ai raconté n'est finalement que le début d'un grand roman historique sur les moulins de Flandre. Mm-hmm.